Ok, je vais dire nique ta mère en chien. Ouf, ouf, nique ta mère. Tu l'as compris? Oh, c'est tellement bon. Vous êtes pas à l'abri d'un accident, monsieur. Faites attention à vous. Tu fais quoi, toi? Oh, pardon, pas fait exprès. Je me suis trompé de touche. Oh, pardon encore. C'est pas dommage. Non. On y va. J'ai vu que tu parlais de ça, parlait de fantasme. Ouais. Moi, mon plus gros fantasme, c'est de le faire avec deux naines et éventuellement une fille rose. Ça peut être n'importe laquelle qui serait au-dessus de moi. Donc, les deux naines, une boule chacune, ça serait mon plus gros fantasme. Je sais pas si tu vois les boules, les testis. Ouais. Voilà, ça serait en train de les chouiller. Et moi, et ça, j'aimerais bien le faire ça sur une balançoire. D'accord. Ben écoute, ben ça reste un fantasme, quelque chose d'irréalisable, donc déjà à la base. Tu mets même pas de flash. Chut. Non, tu parles trop un peu là. Déjà, mon prénom c'est Hakim. Ah, ouais, sa mère. Dommage. Ça, on peut pas deviner ça. Je m'appelle pas Merwan ou quoi que ce soit. C'est quoi ton prénom, t'as dit? Hakim. Quoi tu dis que je m'appelle Merwan? Ça m'étonne pas. Tiens. Comment ça m'étonne pas? C'est quoi le problème là? C'est un fils de pute toi. Non mais t'as vu Orange comment il parle mec? T'as vu, moi je dis rien, je contiens. Mais tranquille. Donc pendant qu'elle me lèche les boules, les deux personnes de petite taille, bah il y a une rousse qui serait au-dessus de moi en fait, pendant que je me balance, qui serait au-dessus de moi en train de dandiner du cul sur ma verge. Ça serait mon plus gros fantasme. Par contre, c'est qui le chameau qui a rigolé derrière? J'ai un fantasme. Je me ferais bien sucer aussi par le chameau. Mais comment ça peut être populaire ça, putain? Moi je me dis que c'est générationnel, hein. Je suis pas le public concerné, mais sérieux quoi. Et ça c'est vraiment l'hymne des Marseillais. Dans le stade ils sont comme ça, ils sont à fond. En bande organisée, on va aller gagner. C'est les Coupes d'Europe, on est qualifiés. Mais on se prend 13 défaites d'affilée. Elle a moins 3, elle a moins 4 pour le genre, hein, vos musulmans. Oh là, là, c'est lourd, là, c'est un scope à la fin, honte de pute. Je rêve de jouer des rentards, j'ai pris mon subutex et mon crack. Crack et de la coupe dans mon nez, je veux toute l'année. T'es passé deuxième mec du scoreboard. Bien énervé le garçon là. C'est bon, j'ai pris ma dose, j'ai pris mon tirail. Ça rayon. C'est dans les gènes mec, ça c'est les mecs du désert, j'ai déjà dit. Bonsoir. Je t'aime, bisous. Ah non, pas de bisous. Oh, il baffe. Mais comment t'as des papillons? Moi, j'ai fait la guitare pour la femme. Ma belle Kélène, j'ai fait la guitare. Je suis mort de rire. Non mais Vert, il l'entend, il dit pas. C'est pourquoi tu te fermes ta gueule, gros. J'ai rien entendu. Putain, faut que tu t'achètes... Vas-y, cours, cabote, à gauche. Oh là là, oh non. Oh là là, c'est Taïm. Oh, c'est Taïm des fous. Oh, le level d'huître. Oh. Le level d'huître. Moi, ça m'a un peu changé. Après, je suis allé voir son contenu, ce qu'il faisait un peu, et du coup, ça m'a bien fait rigoler. Et puis, j'ai adhéré. Donc voilà, j'espère que. Ah, pas mal son speech. Ça donnera un peu rire. Et il en faut tout pour faire un monde, hein, comme tu dis. Hein. Donc voilà. Exactement. Je travaille, excusez-moi, j'ai un métier. Même pendant le confinement, vous avez vu, les gars. Ça travaille, hein, les gars. Moi, je suis en vacances cette semaine, les gars. C'est Thanksgiving, là, jeudi, demain. On va manger bien. Ah oui, Thanksgiving. Bah raconte un peu, parce que nous on connaît pas ici. Alors Thanksgiving, c'est quand Christophe Colomb il est arrivé en Amérique et il a fait un génocide. Maintenant bah on fait des soirées, des fêtes pour ça. Bah c'est ça en vrai. Christophe Colomb. C'est un réseau social comme un autre. Donc moi personnellement, pour ma part, si je m'affiche ici, j'ai pas peur d'être affiché ailleurs. Voilà, enfin qui est intelligente. Voilà, que putain. Je suis là maintenant. Eh, hey, tu les détracteuses. Voilà, elle réfléchit contrairement à vous. Font, hein, allez, guignol. Ça m'a voilà. Peu, on va dire. Exactement, ouais, cette logique. Voilà, ça y a de la logique. Salut, vois, là, il y a du cerveau. Ça va. Là, ça fait plaisir. J'ai le temps, je vais 15 secondes, les gars. 10 secondes, je joue pas. Go. Reprenez cette aide. Laisse passer, Choupa. Vas-y, cours, Choupa. Courez deux. Laisse-moi passer. Vas-y. Vas-y, Hirgo, maintenant, Hirgo. Bien joué, Nazim. Fais la page, Choupa. Ouais, non, c'est bon.
Il est raciste. Allez, foot. Vous savez bon, comment ça va le commissariat. Allez, bon tout qui va à la prison. Ouais, vous voyez. Oh, rouquin. Nique ta mère, le rouquin, toi, je te vois la poêle. Oh, chef. Bon, ben, t'es attaché. Je vais t'enculer, ta raciste de pute. Ah, tous mes soldats. Tiens, prends ça. Je broute, Milou. Broute, Milou. Chatoune. T'es joli. Fais le bisou. Oh merde, Ma pourquoi? Je m'appelle Kélak, t'es la première fois qu'une femme accepte faire les conférences. Pourquoi? C'est la première fois. Tout dur. C'est tout dur. D'accord, très bien, je vous écoute. À l'accueil, s'il vous plaît. Mais vous m'appelez quand? Dans combien de temps? Je vais attendre ici? Ferme ta gueule. Voilà. Fils de pute, c'est la police et les fils de pute. Il est sérieux, lui? Excusez-moi, désolé, j'étais en égo RP. Tu nous viens d'où? De Toulon. Et toi? D'accord. Et qu'est-ce que tu recherches ici? Non, mais elle est en forme, la meuf, elle est sportive et tout. La femme de ma vie. La femme à moi. D'accord. Difficile à trouver, non, je pense. Je t'avoue, c'est assez compliqué, mais je comprends pas pourquoi. D'accord. Peut-être parce que tu baves de trop. Mais c'est maladie. Je peux pas m'empêcher, en fait. J'ai la lèvre en bas, elle est endormie, moi. Ah, d'accord. Je pensais que tu le faisais exprès. Non, c'est la paralysie de la lèvre d'en bas. D'accord. C'est pour ça. Ok. Bah, sinon, ça va? Moi, je vais très bien, merci. Passez une bonne soirée. Assez bien, on va dire. C'est le principal. D'accord. Passez une bonne soirée. Ok, quelqu'un qui bave. Enfin bref, quoi, je préfère rien dire. Bonne teaser là. Par contre, qu'est-ce que t'es en train de faire, fils de. Dégage, hâte de me sucer. Oh, oula. Calme-toi. T'as pas le droit de. C'est d'un harcèlement sexuel. Tu n'as pas le droit de me sucer, demande-moi. Je fais ce que je veux, t'es un otage, tu fermes ta gueule. Vous recherchez quoi ici? La déconnade. Ok. Dialogue, okay. Déconnade, ouais. Voilà, papoter, okay. Ouais, bon, sans plus, quoi. Alors moi, je recherche, attends, deux secondes, j'ai fait tomber ma cuillère. Moi, je recherche vraiment des amis avant tout. Attends, deux secondes, je ramasse, putain. Des amis. Préservatifs, Dépêche-toi. Les préservatifs, on l'a vu, là. Vraiment faire des potes, tu vois, des potes. Venez avec moi. Monsieur, j'ai une question. Ça avance où, mon enquête, là, qu'on avait fait? J'ai quand même payé 20 000, rappelez-vous. Mais dit que je vais sucer mon collègue. Ouais, c'est intéressant, oui. Allons-y. T'inquiète, merde. J'ai un petit message à passer à l'admin qui est passé sur votre caméra. Oui. Le jour où j'aurai besoin d'un administrateur pour pouvoir me branler sur le vous, les poules auront des dents. T'as raison. Les poules auront des dents. Viens avec nous. Là, messieurs, si je comprends bien, c'est vous qui avez engagé cet homme. Non, pas du tout. Cette personne. Pour faire ça. Cette personne s'en est pris à d'autres personnes. Du coup, je lui avais prévenu. Oh non, il s'est transformé en robot d'un coup. Je peux rester comme ça, s'il vous plaît. T'es obligé de prendre une voix de robot. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est Vignalo. Salam, alaikum. John, dis là d'aller prendre des petits. Il est sérieux? Il a pris salam, allez. Oui, je vais travailler pour la police, je suis devenu robot. Lorenzo est devenu. Oh, Mia! Ah, Mia! Qu'est-ce que c'est que ça? Mia est devenu. C'est de là, hein. Par contre, monsieur, veuillez ne pas rester derrière une demoiselle, c'est de très mauvais goût, monsieur, de montrer son visage comme ça. Oui, monsieur. Un bonhomme en carton. Tiens, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, tenez votre hot dog. J'avais pas vu! J'ai quand même un truc bizarre. Regarde, hey, il est content, il a un grand pénis pour la première fois de sa vie. Mais tu fais quoi là, John? C'est quel goût? Mais tu fais quoi, John? Je sais pas, ça a été. Putain, les gars, quoi. Putain, ça c'est mon cousin. Et moi, au mariage de mon frère, quoi. Putain. Je vais voir. Vous me tuez, les gars. Oh, t'as une tête, gros. On dirait que tu viens d'arriver du Pakistan, gros. Garde la barbe, frérot. On sait, tu caches 4-5 roses là, à la main droite. Ta tête, c'est un Advil. C'est quoi ça? Le col!
Quoi? Oh non. Et quelle meilleure suite. C'est quand même mon émission. Oh, allez, on y va. Ouais, voilà, allez. J'étais sûr que t'allais faire ça, j'allais le faire dans la seconde aussi. Oh. Je voulais mettre. Super bullshit. Super bullshit. Super bullshit.